J'aimerais partir à son bord, avec toi changer de décor, voir si la mer se fâche encore, retrouver ses rivages d'or. Reprendre les anciens chemins qui montent vers les tamarins, revivre ce roman d'amour quand Paul attendait son retour. Pour un jour, pour une nuit, redeviens Virginie, les seuls à ta vie pour vivre l'amour le plus sage. Pour un jour, pour la vie, redeviens Virginie, partons tous les deux pour vivre l'amour le plus merveilleux. Bonsoir, bonsoir. On connaît la fin du roman, de l'amour de ces deux enfants qui avaient grandi tous les deux. Alors, est-ce que vous entendez cette chanson? Alors, que j'ai tant aimé, vous entendez, dites-moi. À force de se déchirer. Alors, donnez-moi l'auteur. Oui. Qu'il serait temps de se retrouver comme avant. Je sais que tu vas revenir. Et oui, un petit peu de nostalgie. Le jour prochain, on va partir tout là-bas vers ce paradis où sa mère Paul et Virginie. Pour un jour, pour une nuit, redeviens Virginie, les seuls à ta vie pour vivre l'amour le plus sage. Pour un jour, pour la vie, redeviens. Oh, deviens Roselyne. Bonsoir, monsieur. Soliman Abdul. Eh oui. Modulation. Eh oui, je voulais l'auteur. Exactement. Carlisle, Gollum Singh, Jean-Jacques Debout. Très très bien. J'attends la fin. Hein. Voilà, voilà, voilà. Oui, ben dites donc. Ok, vous avez trouvé. Donc je suis content. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, tu dis moon bonsoir, donc toute la famille. Bonsoir, bonsoir à la radio, Radio 230. Petit checking, juste pour savoir est-ce que son bon, tout correct, tan bien. Peina un petit l'écho, moi tan un petit l'écho, moi pas qu'on espace de tan sa l'écho là, je te suis. Mais qu'est-ce que je dis? Peina l'écho, en fait. Donc, ok, voilà. Donc, Coralie Lemaire qui me pose question déjà. Allez, bonne question là, va rentrer. Xana Chamen Roll Virginie. Ouais, tiens, pas mal ça. Hein? Xana Chamen Roll Virginie, est-ce qu'ils connaissent ça? Donc, tiens, en fait, donc, on parle du film, je pense. Ok. Tiens, un film, effectivement. Et tiens, une actrice qui Chamen Roll Virginie. Donc voilà. Bon, ben bon, en tout cas, on dit à bonsoir à tout le monde. Moi, fait un retour, moi, gravir sa montagne là, parce qu'elle est une marée montagne, elle a une fière là, hein, avec plein de choses. Donc, un gros bisou, un gros bonjour à Marie-Lysiane. Waouh, j'aime bien ce prénom là. Donc, c'est Marie-Lysiane. Ok, j'ai bonsoir à vous. Donc, bonsoir, Usna Faté Mode. Je cherche, vous savez, je connais comment pour là. Moi, tu n'as pas balisé par là, oublié. Ah, mais celle-là, elle est bonne. Tu vois, tu cherches tes lunettes. Regarde. Lilo, toi. Ça ne dit pas de mettre tes lunettes là, sur toute la tête, sur tes lunettes pour tout. Donc voilà, ok, Marie-Lysiane. Bonsoir de Aviron Réunion. Oh là là, son top, bien sûr, Marie-Rosine, correct. Et Marie-Rosine, un gros big up pour ce qu'il t'en fait.
Tout à l'heure, là, Roland Fatim, oh là 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 là, c'était top parce que ça bande du monde qui nous besoin garder les différents lives, au canal Reggae So Live avec Roland Fatim, c'est trop beau quoi, c'est des souvenirs avec ce fameux titre qui m'a adoré, c'était Anita, ok? Donc bonsoir à Marie-Rachel, bon, ça je. Ça me va grave. Pas oublier hein, Marie-Rachel dans le sud et pour une fois dans le sud pas faire trop beau je connais dans le sud pourquoi on va envoyer une paquet photo on va les photos vous montrer les qui Paris Marie Soleil ben coucher le soleil etc voilà vous voyez dit tout ça Maury Rennes bonsoir Suliman Abdul bonsoir Priscilla Nadia bonsoir gros bisous à vous Charlie le Jack bonsoir donc est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Jean-Max Perro Perro, bonsoir. Charlie le Jack, j'ai dit. Donc, Julie Muriel, bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je reconnais? Carla et Gulam Singh, j'ai dit bonsoir. Effectivement, bon anniversaire, ma chérie Pascaline, Gustave et Axel et Julie. Waouh, bisous, Tata Carly. Donc, ben, voilà, un gros, gros big up à tous. Bon anniversaire. Et je pense que voilà, Sabrina Pérez, bonsoir. Dresse mon sapo. Bien sûr, on vous adresse mon sapo tard. Et oh, traînez, on finit de faire court, aller là, on vient, on dresse mon sapo. Ça, sapo là, un divon qui m'appréciait beaucoup, qui n'a offert à moi ça. Donc voilà, bon, les autres devinez. Okay. Suleiman, Coralie, Coralie, bonsoir. Alors, comment il fait à Maurice? Quel temps il fait là hein? J. Bernard, salut. On a, voilà. Donc, ok, voilà. Alors, Marie Bluette, bonsoir. Rose des Îles, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Goutou. Jean-Pierre Antoinette, bonsoir, bonsoir. Oui, Jean-Pierre Antoinette, effectivement. Donc, Audrey, bonsoir. Penel Jean, bonsoir. Sheila Coulen, bonsoir. Belle chanson. Et oui, c'est une chanson de. Alors là, j'allais dire une bêtise, mais je sais pas. Je n'ose pas dire. Je crois que c'est 1970, 72, par là. Donc, c'est très, très loin. Hein. Prof, t'es romantique, ben oui, hein, quand tu dois être romantique pour ça, ce qui nous peut causer là, nous peut le causer aujourd'hui. Donc, alors, est-ce qu'ils ont fait d'autres coups bien là? Nyon non, top. Est-ce qu'ils ont fait d'autres qui nous peut le causer aujourd'hui là? Diamant, petit coup. Regardez ce que je suivre là. Bleu être. Bleu être. Bleu être. Radio 230, chérie 230 ce soir. Maman, extra, guette sa qualité là. Véronique Jeannot, tiens, ben voilà, ça c'est bien. Véronique Jeannot, vous savez qui est Véronique Jeannot? Eh bien, c'est lui qui fait un rôle Virginie, dans Paul et Virginie, dans le film qu'ils ont fait. Effectivement, tout à fait. Love, bonsoir. How is Ireland? Okay, donc, l'Irlande va bien. Et Muriel qui s'est là, la grippe, qui s'est pas la grippe là. Schaffler, la Suisse va bien. Donc, et Priscine à nous, comment tu vas? Bonsoir. Alors, je crois que peut-être tu es au boulot, non? Je crois parce que je me connais, tu es un boulot le soir maintenant. Donc, si tu es au boulot, ben, bon courage. Si tu es rentré chez toi, ben, bisous, 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 bisous. On a Marie-Ghislaine, bonsoir. Donc, voilà. Donc, et donc Simone Blier, il y a No Sous rien. On peut faire un gros bisou à tout le monde. Oui, alors, dis-moi un coup. Qui nous topic aujourd'hui? Qui nous sujet? Nous là pour faire un petit peu de culture, pour causer un petit peu de culture ensemble. Nous, enfin, juste débattre ensemble. Hein. Et donc, nous pour causer un sujet. En fait, mon sujet, mon topic, c'est l'eau peut atteindre l'air pour sortir. Là, ça va mieux. Ah, ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, hey, il arrive la fin, là. Donc, c'est bon, là. Ça veut dire c'est les temps prêts pour sortir. Là, il est bon, là. Alors, donc, le topic du jour, c'est. Déjà, c'est un monsieur. Un monsieur. Ce monsieur-là, c'est Bernardin de Saint-Pierre. OK? Donc, je mets son nom, bien entendu. Alors, déjà, Bernardin de Saint-Pierre. OK? Donc, en fait, c'est l'histoire. Enfin, l'histoire, oui, c'est la vie de Bernardin de Saint-Pierre, parce que justement,
Grâce à lui, eh ben, on a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive nous. Attendez un moment, qu'est-ce qu'il me dit? Radio 230, il arrive un problème. Bon, voyez, c'est Jean-Zac Assisé, Santel David, c'est moi, Raquel, 6e classe géographie. 6e classe géographie, ouais, nous pouvons remonter là, nous pouvons remonter, parce que on peut faire un petit rétrospective des bonnes choses qui nous apprennent l'école. Tout le monde nous apprend ça à l'école, mais moi, nous essayons de rappeler ça, remémorer ça, donc de certaines choses. Donc c'est pour ça. Moi, c'est mon hey, attention, moi, je fais mon travail, moi, hein, donc vous connaissez de faire le travail. Donc ça, c'est bien sûr quelqu'un qui, dans les années, alors date de naissance c'est 19 janvier 1737, la mort c'est 21 janvier 1814, d'accord? Alors nous guette 1737, mais besoin de mettre le siècle parce que c'est loin. Ok, 1701-1737. Ok, et le monsieur il est mort en 21 janvier, en fait presque 2 jours après sur la mort. Tiens, c'est 21-01-1814. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il. Donc, mot pour question the l'aubaine affaire, hein, donc, ok. Voilà. Ok. 1901-1737. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a aussi. Pas sommeil, ça fait raconter. Hey, je vais faire. Bah, l'histoire, c'est ça, la culture, vous pouvoir vivre cause de votre affaire là, vous cause comme ça. Hein. Après, donc, ce qui me, donc le monsieur, Bernard de Saint-Pierre, je connais. En fait, qui t'était dit? Donc, Soledad, bonsoir Soledad, coucou à vous. Qui était ça, Michel-là? Donc, le personnage Bernard de Saint-Pierre. Qui veut dire, moyenna tout réponse d'Islo Virginie, un écrivain français. Ouais, nous capable de dire ça. Un romancier, nous capable de dire ça. Et oui, entré au cimetière de Père-Lachaise. Ah, il est entré, non, il est enterré. Oui. Alors, né au Havre, je crois, et puis mort après, voilà, à Éragny, si je ne me suis pas trompé. Donc, bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il tout. Bon, il y a un romancier. Pour moi, je vais vous dire, mais pas trop lit. Voilà, aussi botaniste. Ok? Pour moi, si. Patienas à côté botaniste là. Pour moi, il n'est pas l'intéressé à Maurice, enfin à Maurice, l'Île-de-France à l'époque. Et donc, c'est ça qui amène tout ça en fait, okay? Qui amène un petit peu l'histoire, qui amène tout ce qu'il vient de faire dans ce la vie et qui vient de réussir à écrire sa roman-là sur Paul et Virginie. On est d'accord, hein? Donc, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que ce but, c'était plus le côté botaniste, nature. Et justement, faire plusieurs choses. On vous raconte sur la vie, mais c'est ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est quelqu'un qui n'a, par exemple, à 12 ans, tellement il n'est pas content l'école, tu vois, les parents de l'envoyer en Martinique. Par exemple, donc à 12 ans, donc on est en 37 plus 12, 49, il finit en Martinique. Après, il aurait venu, et quand il aurait venu en France, après, il n'y a pas comment dire, un parcours à succès, hein, c'est vraiment quelqu'un d'assez banal, moi, tu peux dire. Donc, c'est ça qui me trouve. Intéressant et surtout joli dans l'histoire. C'est quelqu'un d'assez banal, il botaniste, mais il peint un succès, il a le faire plusieurs choses, il a en Russie, il a
en Hollande à l'époque, donc par rapport au côté botaniste, à côté donc inhale un petit peu partout. Et tu voyageais, mais il a toujours envie de voyager. Après, il fait l'armée, effectivement. Mais en fait, même dans l'armée aussi, ben, il y a un succès. Hein. Donc, dans l'armée, pas de récit, faire ce qu'il a envie de faire. Enfin, bref, il a envie de faire plusieurs choses, qu'il n'y pas de récit. Et puis après, ben, là, il y a une attestation, entre guillemets, pour essayer à l'île de France. Et donc, à l'île de France, il passe 3 années là-bas. Et c'est là qu'il a découvert tout le côté nature de l'île Maurice. Donc l'île de France, on a besoin garde ça l'île de France. Donc on est, voilà. Mais le temps il est à l'île de France, en fait il ne fait pas autant de temps que ça à Maurice. Hein, donc il passe 3 ans encore à l'île de France. Après il est rentré. Donc c'est quelqu'un vraiment, ouais, donc c'est franchement quand je dis ça, c'est tout d'accord. Si mon guetté, encore que 3 ans, hein, si mon pas abusé. Là, donc il y va en 1768, mon guetté, quand il est revenu là. Et il revient en 71. Mais ouais, voilà, 3 ans. Donc, en fait, il est resté que 3 ans. 1771, il est revenu. Après, il commence à. Par contre, quand il revient en France, c'est là qu'il commence vraiment écrire beaucoup de choses sur la nature. Et donc, justement, et grâce à l'aide de Mr. Jean-Jacques Rousseau, qu'il y a un récit émergé, mais il peut envie d'écrire des choses sur la nature et surtout sur l'île Maurice par rapport à sa nature, l'île Maurice, enfin l'île à La Réunion aussi, l'île Bourbon, l'île de France, qu'il y a visité, et Martinique, et Malte, tout ça il y a visité. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un intéressé par toute la nature. Et justement, il découvre un truc, Maurice, et ça, moi, je trouve ça aussi intéressant. Il me fait autre connaît qui découvre un truc, Maurice, il trouvait qu'il ben là, il trop mettre un accent le côté agricole, industriel. Et donc, pousse ça. À fond, tu en as 98% des terres cultivées et tu en as juste une seule culture, je connais, canne à sucre. Et donc c'est ça qu'il trouvait. Il trouvait que c'était pas bien parce qu'en fait, ni une des premières personnes qui nous venait, qui nous fait comprendre que Bizin, pour qui nous l'île. Ils vivent, nous besoin God and Party primitive de forêt, parce que je connais qu'il faudrait qu'il amène l'oxygène, etc. Donc, il demande qu'il ne faut pas qu'il y ait que canne à sucre partout, nous besoin une forêt primitive, c'est-à-dire une forêt qui, justement, amène l'oxygène pour oxygène pays, donc ça c'est important. Et aujourd'hui, dans Maurice, il y en a peut-être 2% hein, de forêts comme ça, de forêts primaires, primitives, donc dans Maurice. Tout le reste, c'est une déforestation à fond. Hein. Donc c'est ça qui est incroyable. Là. Donc, Niti, déjà à l'origine, on a loupé dans 1768, là. Donc c'est incroyable. Alors, c'est à l'époque-là. Bien entendu, tu es un esclavage encore, la Maurice. Donc, il revient en 71, il commence à écrire, il fait. Il reste un succès avec ce livre, ce livre sur les études de la nature, etc. etc. Donc, ok. Mais tout ce livre avant, pouf,
Pas trop réussi, hein. Donc c'était un Lipati reconnu autant que ça. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Et alors, question, pour qui gagne ce best-seller là? En quelle année, vous pouvez dire, à le roder un petit peu, quelle année est la ligne écrire pour les Virginie? Donc on ne revient sur ces choses-là. Redonne-moi ça un petit coup, qu'est-ce que c'est cave là? Retrouver quelle année il allait écrire Paul et Virginie. Il était. Waouh, 1788, effectivement. On trouve deux dates, 1788, 1787. Bon, de toute façon, ça a dû durer au moins un ou deux ans. Hein, okay. Donc 1788, effectivement, qu'il n'écrit ça. Donc en fait, il écrit à Paul et Virginie étant il ne retourne en France. Pas en étant à Maurice. Merci, Rilana, tout à fait. Ok. Attends, non, pas 1736. Qui est arrivé là? Vous me mettez là, 1736? Non. 36, pas tu connais. 37, l'inné. Donc, c'est 88. Mais l'inné écrit à ça, donc à Paris. Et alors, me pose d'autres ben colle cette fois-ci, hein, né, donc me pose d'autres ben colle, me guette si pour réussir à le retrouver ça. L'inécrire donc Paul et Virginie, mais qui donne lice à l'inspiration de Paul et Virginie là? Ah, c'est Andy Moon qui donne lice à l'inspiration. Et là, ça rejoint nos stories de la dernière fois. La dernière fois, je te rappelle qui nous tu faisais. Donc la dernière fois, on a parlé de Mister. Est-ce qu'il se rappelle? Une petite cause. Celui qui a créé le Jordan Pamplemousse. Est-ce qu'il se cas de moi qui s'en a qui crée le Jordan Pamplemousse? Ok, qui est intendant, le premier intendant à l'île Maurice, hein, c'est-à-dire comme le premier gouverneur donc à l'île Maurice. Donc, qui a créé le Jardin de Pamplemousse? Et man, fatra, c'est moyen, ça. Donc, allez, Pierre, poivre. Ok, en plus, si, oui, donc. Poivre, ok. Et donc, donc, Pierre, poivre, effectivement. Et il y a un lien entre Pierre, poivre, entre Bernardin de Saint-Pierre. Et justement, le fait qu'il écrit Paul et Virginie. Ha, pas facile à trouver là, hein? Pas facile à trouver. Donc, parce qu'en fait, allez, mot diazote, parce que je m'en de faire une petite recherche là, vous connaissez. Parce qu'en fait, les temps les rencontres, Pierre Poivre, brièvement, les temps était en Inde, les temps qui passent avec en Inde, vous savez, la route des épices, l'Inde, tout ça. Mais les temps ils viennent dans Maurice, ils retrouvent Pierre Poivre, mais là, ce qu'ils viennent retrouver, c'est pas que Pierre Poivre. Pierre Poivre, qui continue à rentrer dans l'histoire, Maïla Boudonné, la fille, non pas encore là. Donc, effectivement, tiens, Maïla Boudonné, gouverneur, mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'il. Es-tu content à te voir, Golden? Hey, j'avais ça. Et moi, mon examen dit window. C'est pas possible, ça. Là, ça fait un autre là. C'est pas possible, ça. Pierre Poivet, et moi, j'avoue tout. Pierre Poivet, et Barnard de Saint. Pierre le beau reine là, bien, Golden. C'est comme ça. Non, 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 non. Oui, alors, Pierre Poivre, effectivement, t'y intendant à Maurice, et qui, bien sûr, qui ne concevoir le jardin botanique de Pamplemousse. Et en plus, Pierre Poivre, t'y amoureux de la nature, comme je te connais, lui aussi. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il est amoureux d'une autre affaire, dit Mister, là, le Mister Bernardin de Saint-Pierre. Il est amoureux de sa femme, de la femme de Pierre Poivre. Ok, bon, bien sûr, c'était impossible d'y typer Zisnine Morier. Et donc, comment sa femme l'a appelé? Je suis content, sa femme. Mais platonique, hein, donc pas de gagner, mon volley box pas de gagner, mon panal guetté, aucun mon sait guetté, l'autre TikTok, pas de mettre aucun truc.
Le TikTok, pas mal trouvé. Donc, est-ce qu'il. Et donc, en fait, Léa, mais oui, et sa femme-là, comment il s'appelait? Il s'appelle Françoise Robin. Donc, il faut qu'il y ait des noms. Et sa Françoise Robin là, oui, Dieu Bernard, yes, Françoise Robin. Et sa Françoise Robin là, waouh! Et c'est le mari 17, Diaou, apparemment. C'est le mari 17, ça. Nzoli 35 à Beau. Et Liti Anzen, femme, donc, de Pierre-Poix. Mais Liti Marie, content, ça. Husband good, quoi, husband good. Mais bien sûr, Léa là, l'étant li revini, ben Marie gagne tristesse, je sais pas quoi, moi pas connais, moi, ben ça qui n'inspire li pour faire une histoire d'amour avec sa femme-là, et donc il crée Paul et Virginie. D'ailleurs, ceux des enfants, un appelle Paul, un appelle Virginie, donc vous voyez, ben, pas bon, n'est-ce pas, bon, après, vous pensez certainement, justement, il donne ça pour les Virginie par rapport aux 20 enfants. Parce que, effectivement, donc, comme il est écrit en 88, mot calculé qui. Voilà. OK? Un bon prof ou conni qui? Qui m'a conni qui ça n'a, moi? Et m'a fait soif de m'en rentrer, m'a fini faire ma m'a fait rire. Hé, vous faites rire. Mauvais cause avec mes élèves, je dis à moi, je dis à lui, mais je suis, mais bizarre cause de notoriété, tout ça, on a fait un mot là, je dis à Chibé, je me dis une phrase, je dis à de l'ouste dans enfants. Là, ça, alors ça, nous visons faire des autres que Claude Liti fait des autres avec Jean-Yves, Xavier, Côte-moi, dimanche. Oui, tu as trois enfants, la gosse sec. Ben oui, la gosse sec. Hein. Amène un petit dilo pour moi, un petit dilo doux parce qu'il m'a la gosse sec. Il faut trop causer, t'as l'air là. Bon, t'as l'air de me raconter mon histoire. M'aurais continué là. Qui sa bonne manière compte en femme du monde là, ça pas bon. Ben oui, mais tu comptes en femme du monde. Mais vous connaissez l'amour là, et vous connaissez comment ça n'est tombé tombe pas là, ou elle compte une femme ou prochain. Attention, hein, l'itis un l'amour là, mais ça grand n'est pas capable. Mais Golden pas ouvert à l'époque là, l'itis donne un rendez-vous pour faire un chat là-bas, pas la jump, tout ça pas ouvert, mais pas capable de donner un petit rendez-vous pour faire un chat. Ah, moi, j'ai dit, mais c'est ma bête, hein, si tu n'en qui un petit bout, ça, tu passes mieux, peut-être, hein, tu calques pas tes Sainte-Thérèse, etc. Mais bon, donc voilà. Est-ce qu'il me connaît Françoise Robin? Mais, ah, elle nous a dit 17, ça, oui, il me connaît bien, connaît bien. Ouais. Ok, il me connaît sa descendance. L'amour platonique, pauvre diable. Ouais, ben oui, hein, qui est au courant, hein. À l'époque là, boîte, c'est beaucoup, enfin, une des raisons qui fait une retournée aussi, plein de ça, pas le damayer là, pas pour qu'à faire non, et puis Pierre-Poivre, il aime Big Boss là-dedans, mais comment te faire? Mais tu t'en vas quoi, tu t'en vas. Donc, ça à l'époque là, tu es dans Caro-Kann, bien oui, en plus tu es dans Caro-Kann à l'époque là, mais bon. Comme d'aujourd'hui, comme avant, Caro-Kann là, tu existais tout le temps. Hein. Sauf qu'avant, Caro-Kann là, tu es gentil, tu es bien, me trouver moi. Tu es dans les affaires. Aujourd'hui, Aldo Caro-Kann, maman, qu'a fini vilain, qu'a fini vilain, qu'a fini brûlé. Et ah ouais, donc, je ne trouvais. Donc, c'est faux ça. Pas capable de Caro-Kann aujourd'hui. Donc, voilà. Enfin, bref, la ligne écrit ce fameux Paul et Virginie. Moi, tu poses une question, un petit sondage. Tu te rappelles ça? Moi, tu dis à Zot, salive là, Paul et Virginie là, est-ce qu'il y a une légende? Donc, moi, tu mets ça. Est-ce qu'il y a une légende? Est-ce qu'il y a une. Qu'est-ce que tu mettais? Il y a une réalité. Réalité. Est-ce qu'il lit les deux? Une légende est une réalité.
Où est-ce qu'ils n'ont pas connu? Ok, pas connu, bon, pas connu, ben pas connu, écoute ça, ben pas connu, lève la main. Donc, est-ce qu'il y a une Power légende, ring off. il y a une réalité, les deux, ou pas connu? Ben c'est qui pas connu qui dit. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ok, est-ce qu'il y a alors, il y a l'Inde, il y a nous, il y a une légende. Et me deux autres réponses, me deux autres même chose, nous gagnons. Une majorité du monde indien, c'est une légende. Disons, si je calcule bien, ça fait 70% une légende, 20% une réalité, et les deux, 15% d'y aller deux. Ok? Donc c'est intéressant ça. Hein? Avant ce type de tir kilo de carocan, van de Et Marie-Rachel, mon petit à toi là-dedans, hein? Attention, une légende. Une légende, oui, mais en fait, qui fait me poser cette question-là? Parce que justement, hein, justement, in vince de suas. Oui, in vince de suas. Pas possible ça. Donc, et mais je connais qui est arrivé? Eh bien, ce qui me dit une légende n'est pas si vrai que ça. Parce qu'en fait, la bonne réponse qu'ils ont bien mettait, c'était les deux. C'était un peu les deux. Ça, les plus juste comme réponse. Parce que, allez, question. Loki bateau, d'après l'autre, ces histoires-là, Virginie fait une phrase. Parce que je connais les histoires, bon, Virginie, Paul, tout ça, je grandis dans Maurice, je des mamans, patina papa, enfin, je connais ces histoires-là, et qui après, il me dit, bizarre, vous Virginie à le faire l'étude en France, et pour Révigny, il est en Révigny, il est là, Virginie, Vindo Saint-Géran, exactement, ça bateau là, Vigny, et bateau Saint-Géran fait une phrase au large de Saint-Géran, au large de Belle ombre, mon corps, oui, ok. Et donc, alors, le bateau, il fait naufrage. Donc, les temps bateau fait naufrage. Virginie, mot, qui fait? Alors, le navire, c'est le navire Saint-Géron. Effectivement. Donc, du nom d'un. Au coin de mire, le navire fait naufrage. Tout à fait. Alors, question. Donc, si le navire fait un naufrage, s'il tient une réalité, ça veut dire qu'il y a un dîmoun au bateau là qui s'appelle Virginie. Ah, est-ce qu'il y a un dîmoun qui s'appelle Virginie au bateau là? Est-ce qu'ils autres connaissent ça? S'il y a un dîmoun qui s'appelle Virginie au bateau là, fini. Ça veut dire c'est vrai, non? Ok? Donc, est-ce qu'ils ont qu'à dire moi, est-ce qu'ils tiennent une. Donc, moi, vu qu'ils ont à le trouver une. Est-ce qu'ils tiennent une madame qui dit de ce bateau-là, qui ne fait une phrase. Et qui, bien sûr, une décédée. Oui, tout à fait. Ok. 17 juillet 1736. Ah, je dis ah non. Eh ben, dans votre rodé, c'est votre rodé. Madame, écoute, tu peux aller, Julie Myriel, beaucoup une fanée, là. Que ça n'a Madame de Latour. Allez, because Madame de Latour, là. C'est qui Madame de Latour? Allez. Madame de Latour, effectivement, elle a un lien dans cette histoire-là. Vous les connaissez? Très simple. C'est. Madame de Latour, c'est. Hey, n'importe ça. Aïe, aïe, aïe. C'est Mama Petit là. Donc, Madame de Latour, c'est Maman Petit là. Maman Virginie, voilà. Et Nadimoun Pli, Nadimoun Pli, connaît l'histoire mieux, hein, J. Bernard. C'est Maman de Virginie, Madame de Latour. Et Maman de Paul, comment y appeler? Allez, moi, les autres connaissent? Allez, Maman de Paul, tiens un nom, une vache. Ça pas vous connaît. Tiens, nano, mar. Allez, rodé. Maman de Paul appelle Marie.
Marguerite, ok. Exact. Mais c'était il y avait Marie dedans, hein, donc effectivement, hein, donc voilà. Donc une gagne ça dès là, ok. Donc Madame Latour, Marguerite. Après je tiens une, comment dirais-je, je tiens une, ok. Et comment appelle l'esclave qui t'y travaille avec Madame de Latour? En fait, non, une femme, elle, donc Marie. Après, tu as l'autre qui peut travailler avec Madame à Marguerite, maman de Paul. Donc, qui s'appelle un monsieur, qui s'appelle Domingue. Ok? Et c'est marrant. Moi, mon affaire, mon petit travail. Hein. Alors, bon, on y va. On continue. Donc, il arrive ça à l'époque là. Donc, il arrive. Comment je peux dire? Oui, les temps Virginie, Vini. Alors, est-ce que ma question c'était justement, est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr, Saint-Géran, le Saint-Géran. Et ben, comment et qui fait dans le livre Virginie Nemo? Vous connaissez? Qui fait Virginie Nemo? Donc, l'est-il au bateau. Et donc, selon le livre, si vous êtes bien dans ce livre-là, l'inmo, parce que, non. Donc, et l'inmo, parce qu'il, en fait, l'ipatilé, oui, il y a là en France chez sa tante, et ben, l'India pour lui gagner. Éducation, pour les cas, une éducation, parce que dit ce matin, dans ce matin, devine. Voilà, Audrey, il trouve la réponse. Attends. L'hypatie, les tire Solens devant Ban Sailor. Voilà. En fait, l'hypatie, les enlève Solens. En fait, l'hypatie, les enlève Solens, il enlève Solens, tout ce bain de vêtements, et après, ils sont dans des lots, et parce qu'il n'est pas si loin, hein. Et nager jusqu'au bord. Donc voilà l'histoire. Il bat les enlève sa robe, vous êtes dans des lots à la terre. Et ben vous savez quoi? Sadimouna n'existait. Ah, Sadimouna effectivement n'existait. Et Sadimouna il a un nom. Ok, donc là moi prendre toutes bonnes petites affaires. Et oui, il y a un lien. C'est-à-dire que dans sa navire là, il y a un personnage qui, justement, bien sûr, une décédée, parce qu'il y en a qui ne sauvait, hein, mais il y a un personnage qui est décédé, et ce personnage-là, justement, pas il enlève ce linge, il préfère mot, plutôt, il dit palais enlève ce linge, devant Bandimoun, tout ça, pour nager, pour aller. Parce qu'avec tout ce bon linge, vous êtes mettez là. Eh bien, ça tient un nom. Alors, on me donne le nom. Est-ce qu'ils ont à ce nom-là? Un peu dur, là. Ok. Un peu dur, là. Mouretti, c'est d'autres cas, tout ça, là. Ok. Les types pudiques, oui, pudiques, effectivement. Ben oui, mais tient un dimoun, l'eau sabbat là, effectivement, qui est décédé à cause. Alors, on raconte une histoire. Tient un dimoun. Et il y a un intendant le bateau, et l'intendant là aussi, l'intendant, il appelle Montendre, ok? Et Montendre, lui de Longchamp Montendre. Alors lui de Longchamp Montendre, c'était un intendant à Beau. Et Getsanon là, vous autres. Lui de Longchamp. Carré, Longchamp, Champs. Montendre, et mon tendre époux. Non, mon tendre. Je trouve ça. Ok. Donc, Habougla, dit-il, intendant le navire. Et eh ben,
Pas ni même premier dans vos classes, Claude, mais Mozart nous lit tout le temps, il donne bonne réponse. Ok. Ben oui, mais bizarre, Rodi, bizarre, faire des voix là. Et alors, lui, mon tendre, effectivement, et lui de Longchamp, mon tendre, elle dit mon important, parce qu'en fait, il est fiancé à une autre personne, sa personne-là, comment il appelait? Allez, à moi, vous êtes un petit caillou, alors ça. Donc, il appelle Louise. Donc, je vous donne le nom. Louise Augustine. Et alors, Louise Augustine, caillou. Caillou. Pas un caillou, hein. Donc, voilà. Donc, Louise Augustine Caillou. Eh ben, justement, entre Montande et Caillou, Montande Caillou, ça même qui n'est arrivé. C'est-à-dire que bateau fait un naufrage. Mon tendre dit à Louise, ben, nous besoin sauter, nous nager, nous aller au bord, et puis fini, nous sauver, comment les autres, ils nous sauver. Ben, oui, Longchamp, il manque ça, effectivement. Vous connaissez, nous, ça manque là, t'as là, là. qui, un pierre peut envoyer dans vos jardins, là? D'accord, on comprend. Oui. Les 15 peuvent arriver faux, c'est ça. Bon. Donc. Vous pouvez me dire rien. Donc, effectivement, et mon tendre, il dit à son fiancé, il dit, vous êtes dans de l'eau. Et puis nous canaser nous à l'obo. Léla, il dit pas pour faire ça. Léla, mon tante dit, bah t'as montre-toi, il montre lui, dans le soleil, ils étaient, ils nasaient, il dit, allez, vini. Il dit, allez, vini nous à l'obo. Et bien, il parlait, qu'est-ce qu'il fait? Et qui lui fait un tendant là? Ben, il remonte à bord, il dit, bon, ben, si et il dit, qui fait de pas vous étiez? Il dit, mon bon poutier à Molens, ben, no way, donc mon bon poutier à Molens, vous restez là. Ok? Donc voilà, en fait, Lipan était, et Lydia son fiancé, moi vous étiez, moi pour les moulins, moi vous étiez. Et bien, qui n'est arrivé encore? Si Lipan était, c'est pour ça qu'il est là, l'autre là, il dit, attends, mais c'est pas vous étiez, moi je reste là. Tous les deux restent au bateau, et les autres morts au bateau. Et voilà la source de l'idée comment son périr. Et pareil, après, là, voilà quoi. Qu'ils ont dire ça? C'est incroyable quand même. Donc ça veut dire qu'ils trouvaient. Tiennent un lien quand même. Ok? Donc voilà un petit peu ben, histoire quand il est arrivé, ils ont pas allé nager, pas allé en les solins, ils ont besoin de mon reste là, mon reste là, mon amour, ben boucle là aussi, reste là, l'amour. Tous les deux de moi ensemble là, donc qu'ils ont dire. Marie l'amour ça, ok, qui tu peux faire? Tu peux rester ou tu peux rester? Alors Banzo, qu'est-ce que tu peux faire? Tu files là pas aller en les solins pour nager pour aller. Que vous faire? Vous restez ou vous êtes où aller? Ok, après, il prend dans ses bras. Non, 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 il prend dans ses bras, il reste la même. Le bateau, tous les deux autres mots, la même. Donc, comme ça, même ça est arrivé. Mais ça qui me donne une histoire, une inspiration pour faire ça, quoi. Donc, c'est quand même incroyable. Hein. Je te connais, et ben, un paquet d'histoires, je connais qu'il y a un paquet d'histoires là, paquet, ça a été remis en plusieurs livres. Et après, je trouvais que mon super surpris, c'est que, en fait, peine a beaucoup de chansons, Sega. Peine a beaucoup Sega, là, ça. Peine a beaucoup Sega, le Paul Egagine. Au début, nous avons donc une chanson de Jean-Jacques Debout, mais peine a beaucoup Sega, mais il y en a un des Sega, mais très peu. Au fait, tu écoutes une petite affaire. Un Sega, mon gars, c'est mon récit, mais ça, c'est Sega-là. Et donc, nous sait faire ça, c'est Sega-là.
Dans dimanche tantôt, Paul Alcott devient zénie, et flair dans son paletot, l'écrase sous les vernis, cravate à carreaux, avec ses épaules à taper, damnation galant, les mêmes premiers pointés. Et guette comment y aller, y aller, guette comment y aller, guette comment y aller, y aller, guette comment y aller. Guette comment y aller, y aller, guette comment y aller, guette comment y aller, y aller. Virginie Mosser, Dauphine bien amisée, l'air fin arrivé, l'air plutôt sosiré, lesquels prétendants, lesquels te pour mailler, Sate qui boit du vin, un jour a mis un saoulé, pas faire ma tape en Mosser, pas faire ma tape en, pas faire ma tape en Mosser, pas faire ma tape en, pas faire ma tape en Mosser, pas faire ma tape en, pas faire ma tape en Mosser. Après banané, joli rames haricots, Paul fut décidé, décidé pour marier. Joli lettre des mondes, avec belle belle cadeau, à côté Virginie, Paul la fin envoyé. À la lipandi pandi, à la lipandi, à la lipandi pandi, à la lipandi, à la lipandi pandi, à la lipandi, à la lipandi pandi, à la lipandi. À celle-ci tantôt, Paul même paye sur pitié. Elle est à travail fini, les bisins cuicari. Elle n'est plus faire galant, n'est plus faire zoliquaire. La damnation Marie, les pintos sont malaires. Pas pleurer, pleurer mon noir, pas pleurer, pleurer. Pas pleurer, pleurer mon noir, pas pleurer, pleurer. Pas pleurer, pleurer mon noir, pas pleurer, pleurer. Pleurer mon noir, pas pleurer, pleurer, pas pleurer, pleurer mon noir, pas pleurer, pleurer. Oui, donc chanter une intercolèse, oui. Donc c'est un des ban ces gars qui m'ont trouvé, m'ont réussi gagné. Il y en a plusieurs qui n'ont pas envoyé moins lit, etc. Donc, mais me trouve. Alors c'est qui chante ça? C'est de Conso, le nom de sa santé là. La plus dure là. Donc un certain Jacques Quentin, donc qui sent ça. Donc voilà. Donc voilà un peu ben petit Sega qui ne sortit, mais pas trop. Moi pas trouvé là beaucoup Sega m'ont trouvé qui ne sortit. Donc voilà un peu comment ça a passé, comment ça une arrivée, etc. Donc et après. Il a une finit sur la vie en France et puis il gère le à la tête des jardins de plantes à Paris et c'est qui fait qu'il y en a des trois statues un peu partout bien sûr à Maurice côté là une statue Paul Virginie donc c'est ça que tu connais là c'est le connard Maurice côté là statue Virginie à Maurice. Tu fais un petit coup ma vie à Johnny, ils auraient dit pas typo et na bikini. C'était incroyable ça. Bonsoir Marilyn Belinda. Mon cousin Bandimon qui cause, c'est aïe là, hein, c'est incroyable. Nous peux relayer côté na statue Virginie. Jardin de Pamplemousse, N. Donc, qui a pu pour lui, oui. Et Molène, l'autre place encore, poudre d'eau, oui, et il y en a un peu partout, mais il y en a l'endroit. Moi, j'ai habité avant longtemps, qui a pipe. Voilà, il y a tout ça, effectivement. Mais, et en France aussi, il y en a. Mais moi, j'ai un peu envie de connaître, est-ce qu'il y en a statue de Paul et Virginie ailleurs qu'en France, sûr, non?
Ben, c'est qui dans l'autre pays? Est-ce qu'ils sont capables de dire moi? Est-ce qu'il y a un statut de pour les Virginies? Parce qu'en fait, c'est parce que c'est quand même assez connu par rapport à ces histoires-là, c'est assez légendaire. Donc, est-ce qu'il y a ce statut-là ailleurs? Je pense, pourquoi Montandia qu'il y a un statut-là même en Italie? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut poser cette question-là. Mais en France, il y en a un peu partout, jardin des plantes. Dans le 5e arrondissement aussi, on connaît une statue de pour les Virginie, donc un peu partout. Mais en France, c'est assez normal, ok? Peut-être dans sa ville natale, au Havre, Éragny, Angleterre. This is Churchill, vous savez, ça. Ok, donc. Là, même une fête des autres peuvent sans se battre, sans se causer, mais l'autre causer dans mon émission là. C'est extra ça. Italie, oui, mais pas Dublin. Ok, pas Dublin. Donc, effectivement. Donc, en fait, c'était ça qui m'a envie causer aux autres aujourd'hui. Donc, pour parler de pour les Virginie. Est-ce qui, pour vous autres, Catena Dublin, Dublin, c'est un plus ben sa statue, ok? Sophie, pour les Virginie, mon cousin, tu participes dans le film là. Ah bon? Mon cousin, tu participes dans le film pour les Virginie. Mais moi aussi, moi, j'ai un camarade qui participe là-dedans parce que tu as un paquet figurant. Vous ont demandé pour une partie dans le film, etc. quoi. Donc, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà un peu, ben, quelque chose. I watched the film, it's worth watching. Yeah, bien sûr qu'un joli film, il bien faire quand même. Hein. Donc, pour une fois, parce que souvent, vous êtes faire film sur Maurice. Et c'est juste pour montrer un peu paysage, donc moi pas trop content ça, mais le film là, peine à des autres valeurs, parce que c'est plus un dépliant touristique, tandis que là, il y a des histoires, donc d'autres bizarres, et c'était sous l'esclavage, hein. Rappelle les autres, c'est quand même sous l'esclavage, et même, donc tout ça s'est passé sous l'esclavage, en fait, donc, et quand même quand, comment dirais-je? Sozin Mo, Bernadette Saint-Pierre Mo, 1814, on était passé juste sur le règne anglais, donc ben, britannique, il ne répond l'île. Mais bon, l'esclavage n'est pas encore aboli. Hein, donc l'esclavage continuait quand même, parce qu'il, jusqu'à quoi? Jusqu'à 1835. Donc c'est juste pour dire aux autres que je me trouve. Hey, quand même. Prof, que vous pensez au livre BD qui est sorti dans Maurice en créole? Oui, maman, tout livre BD en créole. Tu sais qui est là, qui est sorti en créole, mon promo de ça, mon trouve ça bien, parce qu'il nous a ben, quelque chose d'écrit. La langue, elle, c'est une langue orale pour moi, donc tout le monde, la langue créole est la langue orale. Et il évoluait, il changeait, il y a des affaires qui rentraient dedans, une notion, une. Souvent mon état qui se mettait, c'est mettre ma nouvelle façon de causer. Mais dans les affaires, des fois, me dit, attends, moi écoute l'information avant-hier, l'Express, pour ne pas nommer. Et puis mon état me dit, c'est pas possible ça. Et la phrase qui m'a pas d'accord, manière de scroll là, il peut évoluer. Ok, les fin être demandé. Qui ça, ça? Vous pouvez pas dire moi? Les fin être demandé, les fin être. Vous entendez ça? Souvent, ben, la mettre ça. Les fin être sortis de prison. Mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire ça? Ok, alors, Belinda qui nous dit, Clos Scalaire, attends, hein, tu m'as mis un truc intéressant,
Clause scalaire, existe esclavage, est-ce qu'il y a esclave moderne, bien sûr, moi d'accord, ok. Esclave moderne maintenant. Et oui, madame, moi c'est un esclave moderne. Et oui, dans Rescapé, pas mentionne combien esclaves une récit survivent, il y a juste 9 personnes. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Donc, mon cas, maman, il y a un petit bout qui m'a le récit, le rodé, 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 rodé. Pour mon récit trouvé. Et mon cas, il y a d'autres. Tiena. Oui, il y en a India qui. Il y en a juste 9 dimoun qui t'y échappé. Ok? Donc, je dis à 8 matelots et le passager. Donc, échappèrent. Donc, ça, ce sont des certitudes, ça. Ok? Donc, 9 dimoun échappé, l'eau, peut-être qu'il y avait. Il y avait beaucoup, hein. Il y avait au moins 100 personnes dessus. Ouais, ok. Ouais, il y avait plus de 100 personnes. Hein. Il y avait 30 esclaves. Et il y avait même un clandestin. Tout ça, il y en a, hein. Donc c'est incroyable quand même. Hein. Et oui, bah, ben voilà. Donc, effectivement. Et là, depuis quand la France, Claude? Depuis très longtemps. Ok, effectivement, c'est très intéressant pour les Virginies, un français créolisé et un créole des Champs-Élysées. Ouais, mais quand tu entends ça, moi, j'ai un choc. Moi, j'ai dit, hier, hein, dans l'information, enfin, très souvent, moi, j'entends ça, hein, très souvent, de dire les finêtres, les fines êtres. Donc, excusez-moi, c'est extra ça, ok? Donc, extra. Bonne nuit à vous, bye bye. Moi, mon écrit derrière Plaza. Et une plaque, Jordan Mablimous, qui écrit un joli article sur Paul et Virginie. Ok, oui, effectivement. Donc, j'ai envie de là, je ne sais bien les mots pour comprendre. Ouais, mais. Ouais, un de ces jours, je vais essayer de trouver la BD. Ok, c'est mon cas à gagner. Qui... Parce qu'en fait, il y en a plusieurs façons qui écrivent créole, alors qu'il y en a un créole qui ne officialisé avec dictionnaire, il y en a tout. Okay. Même il a acheté ce dictionnaire juste pour dire, mais l'étant mauvaise manière de causer maintenant, il y en a une expression qu'ils ont mettée, moto dit francisé. C'est surtout ça, infinitif là, li être. Être. Écoute bien dans mon commentaire, écoute bien ce que dire. Moi, je pas entendre ça. Notre cher journaliste, très bon journaliste, Alkiz aussi, utilise ça, mais beaucoup, hein, tout utilise être, li être demandé, li être vu, li être machin, etc. etc. Ok? Si moi, Maurice, mon cas à faire quoi, Mère Rachel? Visite la cloche Saint-Zéran. Oui, ben la cloche Saint-Zéran, quoi trouver? Tiens, allez, une question, puisque quand la cloche Saint-Zéran trouver. Allez, get quand moi, est-ce qu'ils connaissent quand moi la cloche trouver? Enfin, la cloche Saint-Zéran, hein. Ouais, ok. Et donc, oui, voilà, donc on a des 140 matelots. 13 passagers et 30 esclaves décédés. Oui, il y a que 9 qui ne savaient, et selon l'ordre. Ok. Côte la cloche Saint-Zéran. Ok. Mot bien content, sa pierre créole là seulement, fait mon rappel. Emol enzef sadala. Yes. Donc, non, on m'a trouvé là, dans Musée Maïbo. Yes. Donc, voilà. Ben, renseignement, on peut gagner. Nous gagnons un petit renseignement. Et Saint-Géran, bien sûr, il coulait. Et il y a une plongée sous-marine qui a des églises. Mais on remonte la cloche, effectivement. La cloche Saint-Géran. Donc, ok.
Mais mon aller, mon Maurice, plusieurs fois, mon visite Musée Maïbo. Mais mon tour Musée Maïbo, là, moi, tu crois, pour un musée vraiment d'histoire énorme, grand, avec énormément de choses. Et puis, mon un peu, un petit peu déçu, moi, avoué, parce qu'il misait là, moi, tu pensais, tu pisais encore plus top qui s'applie. Moi, tu peux atteindre un truc extraordinaire. Peut-être parce qu'il nous a habitué à miser dans l'Europe, dans le monde. Mais sa misée là, il vaut le coup qu'il entretenait. Moi, pas qu'on ait quel état qu'il était maintenant, mais je pense qu'il est bien entretenu à l'île. Il est 10 fois plus joli quand on peut aller. Moi, pour aller visiter, bien sûr, parce que moi, l'intention qu'on ait, c'est pas encore pareil. Quoi. Okay? Ou si ben, là, il abandonne l'île, alors là, laisse tomber. Hein. Ouais. Ah, tiens. Donc, Marie-Rachel, Fricain, Saint-Denisé. Ok, donc, moi, j'espère qu'il. Moi, mon pâti satisfait. Moi, tu pensais que tu bisais encore mieux, que, plus joli encore que ça. Mais bon, ça, c'est mon avis, mais je ne pas connaître. Mais tant mieux, hein, s'il est top. Donc, tant mieux. Ok. Ben voilà, nous arrivons à nous faire ça. Peut-être nous ne pourrons pas rester trop longtemps non plus. Moi, les autres, un petit peu à l'allemander, etc. Donc, nous faisons une petite émission. Merci. Nous mettons une petite ambiance, non? Parce que moi, envie de mettre un petit mot ambiance là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Déjà. Et. Moi, qu'est-ce que c'est pas mon cas? Envoyer un petit medley, mais au pas qu'on ait pas ça pour rentrer. Pas sûr, hein? Ok, d'un coup. Non. Là. Pas réussi à vous aider. Moi aussi, faire une lotte. Maman avec lui. Chacun a son papa, la lila, l'idi est son papa, nous qui allons. Chacun a son bébé, y'amène son bébé, magasin. Pour ma pauvre, moi qui ben à l'ennui. Commence la nuit, les jours me pleurer, pour moi qui ben à l'ennui. Commence la nuit, les jours me pleurer. La boule, maman, la boule, la boule, c'est qu'à ce matin. La boule, maman. Oh oh. À la li donner la sauce.
de maman, dis le galoupé. Dis le galoupé 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 de maman, dis le galoupé. Alors, est-ce que vous connaissez man, la musique là, là? Ça manti l'ambiance, manti l'ambiance, ancien l'ambiance là. Ok? Donne un peu les temps pour Kaskarem, prof. Qui fait besoin de donner un peu les temps là? Hein? Donc, pas qu'à Kaskarem comme ça. Donc, dire sorry à cause de pas apprendre l'eau là, mais d'ici pas pélé affecté. Oh là 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 là, pas grave, pas grave. Okipou. Donc voilà, non mais, moi j'ai envie de faire un petit hommage à ça. Donc à nous, Paul et Virginie, c'est une histoire la plus connue, hein, qu'ils ont dit, non? Donc l'histoire la plus connue, donc de l'île Maurice, quand nous causons un des livres. Après, il y en a beaucoup d'autres livres, hein, sur l'île Maurice, hein, beaucoup de d'artistes, écrivains, etc. Un seul mot pour cause ça, un seul mot pour amener d'autres, mot pour parler de souvent du monde qui écrit dans la culture, dans la littérature, mais aussi dans l'art. Dans me trouver que franchement il y a beaucoup de choses, donc moi mon pas le chercher, mon pas le redimper, mon pas amener pour autres, et puis voilà quoi, que vous dire. Yes, ok. Pauline Maud de chagrin, et ouais, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est ça, c'est vrai qu'à la fin de dire l'île Maud de chagrin, et les temps, ouais, après voilà, c'est. Mais bon, tout livre là, il vient faire. Et livre là, l'étant Bernard de Saint-Pierre, il fait un livre là. Après, il gagne un succès énorme avec les études sur la nature là. Et c'est ça qui fait être reconnu. Et il est là qu'il écrit, il dit, ah, ben, est-ce qu'il fait une affaire un peu plus romantique, il fait ça, le Paul et Virginie. B, l'état, il donne au départ pour te publier un livre, je te fais un livre là. Lire par une personne, et bon, une dame là qui cotise les choses, et cette dame là dit pas si content ce livre, donc lit tu as envie brille livre là, cette livre là, et ben donc et heureusement elle a un indien non. Ne pas vous brûler le livre là, et puis une fialie, donc c'est incroyable, hein? Donc c'est des histoires comme ça, c'est un livre qui t'a pas sauf oublier de finir, hein? Tu pourras les été, donc mais donc voilà, Dorian Maury et Mère Rachel, ben ça me fait dire, donc nous vous mettre ça va écrire là, nous vous mettre tout ce qu'il écrit, etc. Moi, on a certaines personnes, moi c'est rentre en contact pour nous cave. Ben, parle de ça, hein, parce que c'est fait exprès, c'est fait pour ça. Que veut dire? Pas mal, non? Bon, nous ne va pas trop longtemps. Pour finir, nous faire un petit plaisir, nous faire un petit la musique, après la noire. Que veut dire? Hein, prendre un petit la guitare, parce que si je prends la guitare dans mon lame, je me sens un peu tout nu. Que veut dire? Allez, logué, je t'envoie mon frère. Dis-moi ma petite qui te l'est. Moi, le beau la mer, pour moi, ça non caraille à coup, toi. En arrivant là-bas, ce zocon dépique mes oreilles. Aïe, yo, nalbo la mer. Passe à nos corail à pour toi. Vivant là-bas, ce zocon dépique mes oreilles. Wakolo, wakala, wakokoloko. Wakolo, wakala, wakokoloko.
au corail à tout. Arrivant là-bas, nous aurons des pigments aux oreilles. Wakolo, wakala, wakopoloko. Wakolo, wakala, une enfant monde et une savée. Wakolo, wakala, wakopoloko. Wakolo, wakala, nous enfants monde et une savée. La code, li code, on dit la code, li code, on dit la code, li code, on dit la code, li code. Quand toi le beau la mer te fait manier à mettre les souliers, si te pas mettre souliers, la flamme ou li veste les pieds maintenant. Toi le beau la mer te fait manier à mettre les souliers, si te pas mettre souliers, la flamme ou li veste les pieds. Wakolo, wakala, wakokoloko. Wakolo, wakala, nous enfants montrent comme ça, mais wakolo, wakala, wakokoloko. Wakolo, wakala, nous enfants montrent comme ça. Connais ça? Parce qu'il... Ça. On fait se taper des boulets, beau la mer, une fine entourée, tout un grand fait. Après la période se tira, les quais délirés, l'homme coulait dans l'isier. Et se taper déroulé, beau la mer, une fine entourée. C'est un abso ravane, les quais désirés, l'âme coulait dans l'isier. Mais les laïs de nous, disant l'esclavage, montaient des sannes dans mon lego. Ça fait un mois rappel, tout ma trioté qui nous donne du passé. Yeah.
un petit. Oui, il y a des petites choses comme ça, voilà. Oui, mais on rate N des paroles, bon, excuse-moi, mais bon. Hein? Donc, mais bon, vous me demandez, vous me donnez, vous me essayez. Donc, voilà. Donc voilà, bon, moi les autres, moi dis à bonne soirée, parce que mon épine à la voir, comment faire passer l'examen toute la journée, là, on est fatigué, donc, et nous c'est l'allemand Zantigate, et puis, deux mois pas santé, bien sûr que mon santé, ou rigolez, ou, mon peinard, mon épine à la voix, là, mon la voix, je ne pas tellement la voix, mais mon épine a beaucoup de voix. Il fait trop d'enseignements depuis ce matin. Ok, donc voilà, ben, moi dis à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Et la prochaine fois, nous remettons ça. Nous recosons dans l'autre affaire. Beaucoup mettre vous, petit à petit. Les teasing et après moi pour faire l'émission donc next time, d'accord, allez nous les autres, moi les autres en avec nous petit intro et puis ben moi les autres ben bonne soirée à vous, voilà, c'était la fin de notre émission Radio D130. Radio D130.